Dimanche, nous jouons donc contre EY, et j'ai à côté de moi Émile Lejeune qui assure en tout cas jusqu'à présent le scouting. Alors un petit mot Émile sur l'équipe d'EY, c'est abordable? C'est bien sûr abordable. J'ai pratiquement un peu la même analyse que pour les autres matchs. Il y a toujours dans ces équipes-là, ce niveau-là, l'un ou l'autre joueur qui font la différence. J'ai notamment remarqué à Verna, que nos supporters connaissent bien, il a fait un très bon match, c'est un garçon à surveiller, il marque un but, il a un assist pour le deuxième but. Et alors j'ai remarqué que les deux flancs offensifs permutaient régulièrement, et je l'ai d'ailleurs fait remarquer dans mon rapport à Christophe Kinney, j'espère que le connaissant, ce sera sans doute fait, qu'il faudra veiller à ce que ces garçons-là ne surprennent pas nos défenseurs. Sinon, encore une fois, si nous sommes bien appliqués, si on donne le maximum, eh bien, c'est encore une fois un match que nous devons gagner. On verra, ce qu'il faut c'est marquer un but. Hein. Oui, il faut. Oui, je n'ai que des commentaires, mais apparemment on a assez difficile de mettre les occasions. Mais je crois que fur et à mesure que les matchs vont avancer, ils vont avoir des automatismes et finalement ça va rentrer parce qu'il y a du talent quand même. Ok, alors Émile, on a parlé de vous cette semaine et de Gaëtan Englebet, puisque vous allez reprendre la responsabilité de l'école des jeunes. C'est bien quelque part que deux anciens reviennent. Ah, je suis ravi. Disons que depuis l'ère marchandise, y compris, nous n'avions plus, je crois, eu à la tête du club deux messieurs comme Jean-Paul Lacombe et Léo Van Riemenan, qui ont retroussé leurs manches. J'ai un peu aperçu le travail qu'ils ont déjà fait. Eh bien, je crois que c'est bien parti. Dans un premier temps, ils ont, et c'est pas peu dire, engagé Robert Wassège. Et il y a quelques heures, ils viennent d'engager, et ce n'est pas peu dire non plus, Gaëtan Englebert et votre serviteur. Je veux dire par là que je viens de citer quatre noms, il y a Van Riemenan, Robert Wassège, Jean Englebert et moi-même. Ce sont quand même quatre anciens joueurs de Liège en division 1 à Raucourt. Et je voudrais faire passer un message, même à tous les clubs, laissons le football aux footballeurs. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez une politique ou des projets, une façon d'entraîner différente? Je vais essayer de revenir aux bonnes vieilles méthodes, celles qui, de mon temps, où il fourmillait des joueurs de division A ici dans les alentours de Liège, d'ailleurs dans les vestiaires on ne parlait que l'Ouarlon, idem au Standard, à Verviat-Tiller. Je voudrais reprendre la manière d'entraîner d'il y a quelques décennies, disons. Et je vais en parler bien entendu avec Gaëtan et Robert, et on va se mettre d'accord pour pas mettre de nouvelles méthodes, hein, parce que pour moi, enfin, le football est tellement simple que ce sont les joueurs et surtout les entraîneurs qui le compliquent. On va essayer un petit peu de calmer tout ça et revenir aux bonnes vieilles méthodes. Vous m'aviez dit la semaine dernière, mais il y avait eu un petit incident technique. Les jeunes, laissons-les jouer. Laissons-les jouer. J'ai réunion lundi avec les entraîneurs et les délégués. Et je vais, poser ma griffe peut-être. Hein. Je vais essayer de leur faire faire ce que nous avons fait pour arriver. On s'est fait tout seul. D'ailleurs, il n'y avait pas d'équipe d'âge à l'époque. Hein. On s'affiliait à l'âge de 12 ans, mais quand on allait s'affilier, on savait déjà jouer. Et je voudrais, avec les jeunes de Liège, qu'au lieu de s'amuser autour de Flo, là, de Jarlot, etc., qu'ils travaillent un peu plus avec le ballon, dans des matchs, dans des contacts. Et je dis, revenir aux bonnes vieilles méthodes qui ont fait tellement de beaux joueurs à Raucourt.